Oui, effectivement, c'est la première fois après tant d'années. Oh non, je viens tous les ans depuis le début. Je suis une inconditionnelle du FIFO. Oui, c'est ma première fois au FIFO. Oui, j'ai bien aimé ce film-là. J'ai beaucoup aimé, parce que je sais que c'est un problème c'est un sujet de société. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait un message pas derrière. C'est vraiment un fait d'actualité qui concerne toutes les communautés du Pacifique et du monde entier. Amour et tolérance. Émotion. Beaucoup d'émotion. L'intolérance au niveau des églises et puis de mettre en avant cette âme de la Bible, on peut faire dire tout et n'importe quoi pour des motifs qui sont totalement faux. C'est le concours de Miss Galaxy que j'ai trouvé tout à fait extraordinaire parce que c'était très intelligent et une manière de dédramatiser ce qui peut être un problème. Les témoignages de chaque laitier en fait. Il devrait venir le voir tout simplement, c'est que cette communauté, on la connaît ici avec nos Mahous, nos Rerais, et de voir comment sont traitées ces personnes dans d'autres pays, alors qu'on est des pays qui sont des pays d'accueil. Et a priori, on voit qu'effectivement, il y a des problèmes dans chaque pays, d'acceptation ou pas, et voilà. Venez parce que vous allez apprendre beaucoup de personnes généreuses, et qui explique avec beaucoup de simplicité, sans avoir peur des mots, ce qu'ils vivent au quotidien. Si je vous invite à venir voir ce film, c'est parce qu'il faut réfléchir et prendre conscience d'un problème qui se pose en fait dans notre nouvelle génération. Si on parle de Bible ou de religion, Dieu nous a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime ».